Depuis toujours, depuis 1642 à Montréal, les Sulpiciens qui sont devenus, à un moment donné, les seigneurs de Montréal, ont essayé d'animer la communauté humaine de Montréal. Catri Tekakwitha a un lien avec le Grand Séminaire, un lien moderne. Chez l'univers culturel de Saint-Sulpice, nous préservons les œuvres anciennes, les livres rares. Nous avons la première biographie de Catri Tekakwitha écrite en langue indienne. Souvenons-nous que depuis 1701, la Grande Paix de Montréal, les Indiens s'entendaient bien avec les Français. Et puis, on peut dire que Catri Tekakwitha s'insère dans cette tradition. Elle a vécu pas loin de Montréal. On la connaissait sans doute ici à Montréal. Et elle a été une âme de cette communauté d'origine indienne. Lorsque le pape a procédé à la canonisation, le pape Benoît XVI, il a parlé d'un événement de foi et de culture. La foi chrétienne peut s'épanouir dans toutes les cultures et Catri Tekakwitha en est le plus bel exemple.